nouveau vlog. Regardez-moi cette ambiance. Vous entendez la pelouse, le petit soleil, super sympa. Ce matin, on a un problème les amis. Il s'agit de ma hernie qui commençait à me titiller. Mais alors là, on est sur 5 jours où je ne dors pas. Ma hernie me fait hyper mal. Et c'est, je pense, suite à ce que le truc que j'ai eu quand dans la nuit je me suis étouffée. Résultat, là, je viens de la pharmacie. Mon médecin, je l'ai appelé ce matin. Il m'a dit de prendre un truc, donc on va voir. C'est très dur à décrire. La douleur de la hernie, c'est un petit peu comme si tu avais un corps étranger là et comme si très régulièrement, dès que tu bouges, dès que tu fais ça, dès que tu tousses, dès que tu... Bref, des coups de poignard vifs comme ça, tac, 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 et de temps en temps, ça irradie dans le dos. Enfin bon, c'est très chiant. Pour dormir, c'est très compliqué. Cette position allongée me rappelle à l'ordre et là, ça commence à se ressentir la fatigue. Je suis explosée. Mais bon, je vais essayer quand même de me coucher un peu plus tôt. Qu'est-ce que c'est plaisant, regardez. Regardez cette petite place adorable. Programme du jour, parce qu'il y en a un. On va refaire les toilettes de ma maman. Oui, vous avez bien entendu, la déco. Elle voulait mettre des cadres avec des photos noires et blancs. Je vous en ai déjà montré une. Et elle avait déjà reçu le premier, c'était premier Schneider. Là, elle a reçu Audrey Hepburn et un club de jazz avec un jazzman ambiance. Donc on va voir ça tout à l'heure. Pour au moins trouver ses cadres. Vous avez vu comme c'est mignon. On est dans le quartier historique. Regardez-moi ce plan, juste. C'est le donjon du château, dans cette ruelle. Les petits oiseaux qui passent juste au-dessus de moi. Le ciel bleu, cette petite brise. J'adore. Je suis vraiment dans un coin qui est magnifique. Et juste à droite, vous avez le château. Salut toi! T'es en train de faire ton nid, tel que je te vois. Je vais pas m'approcher parce qu'il va avoir peur, je vais juste zoomer. Regardez, il est en train de... Oh, je sais pas si vous allez voir. Il a la branche dans son bec. Par contre, au niveau de la coiffure, il n'y a rien qui va. Je me suis un peu speedée pour aller à la pharmacie. J'ai juste mis une barrette, mais même pas une grosse, hein, c'est une toute petite, regardez, genre ça. Voilà, hop. Bonjour mon petit lutin des bois, comment ça va? J'ai vu un petit oiseau. J'ai un look. Je vous ai dit, hein, le coiffeur, j'ai rendez-vous... Vendredi, donc là on est mercredi, ça va aller vite et ça va être très bien, je pense. J'hésite, mais je pense, j'ai pas envie de couper. Des fois j'ai envie parce que je sais que ça me va bien, les carrés longs, pour même les aider à mieux pousser, mais j'ai galéré pour avoir cette longueur. Donc non, il faut que je tienne, je ne les coupe pas. J'avais dit, mon goal c'est que ça arrive ici, pour cet été, donc c'est possible. Regarde, si tu tires un peu, c'est déjà là. Voilà mon petit traitement. Alors je sais que l'homéopathie est très controversée, ça n'a pas été vraiment prouvé scientifiquement, mais même si c'est que du placebo, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne parfois sur moi. Moi je prends de l'homéopathie depuis combien de temps? Depuis une vingtaine d'années quand même. Ça fait très longtemps, j'ai élevé ma fille avec l'homéopathie, je la soignais à l'homéopathie. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne prend jamais, voire rarement, sauf vraiment si elle n'a pas le choix, de médicaments. Je sais pas, hein, mais l'homéopathie, par moment, ça fonctionne très bien sur divers maux, sur parfois diverses angoisses. Donc j'ai envie de vous dire, alors oui, si c'est que de l'eau du sucre, mais que ça fonctionne juste par placebo, je suis prête à tout là, je suis prête à tout pour que ça calme. Avec Eric, c'est vrai qu'on en parle souvent, l'homéopathie, lui, c'est pour lui, bah, de toute façon, dès que c'est pas scientifiquement prouvé ou que c'est pas machin, il est très comme ça, très cartésien, je peux le comprendre, mais c'est quelqu'un qui a jamais essayé. Et je pense que si tu n'as pas essayé, évidemment, tu vas t'en référer qu'à ça, qu'à ce qui se dit. Mais bon, c'est comme, ça m'avait toujours marqué, je disais oui, mais un bébé n'a pas cette notion de placebo, de pas placebo, notamment concernant les poussées dentaires, le camomilla qui fonctionne très bien, qui notamment en tout cas sur mon enfant fonctionnait hyper bien. Et là, effectivement, c'est là où tu te dis ça va hyper loin, l'effet placebo fonctionnait de cette façon, c'est que l'enfant, en voyant sa maman, qui potentiellement était rassurée de lui donner du camomilla et se disait ça va le soulager, l'enfant imprégnait ce message de ça va te guérir. Donc le placebo arrivait comme ça, vous voyez. Donc, moi, je pense que c'est un biais comme un autre. Et encore une fois, si ça fonctionne... Je me dépêche parce qu'il est 2h23, viens me chercher à 2h30. J'ai changé, j'ai mis le trench. Là, le trench. Hein. Je l'avais eu en collab avec Shein. Et comme je vous ai dit, j'ai tout arrêté. Et franchement, je suis dégoûtée parce que là, il y a un truc, je comprends pas. Je comprends pas, regardez ça.
ça, tu le mets comme ça, et il n'y a pas d'autre moyen, donc c'est ridicule, le truc il est pas, je vais être obligée de couper. J'aime bien moi les trenches, mais non, ça va pas, donc on va couper tout ça, et puis ça sera très bien. J'aimerais bien emmener ma maman aussi dans un petit salon de thé, manger un gâteau, même si moi je vais faire quand même gaffe. Puis vu qu'il fait beau, mais je pense pas qu'il y ait de trucs en extérieur. On verra. Montrez quand même. Non mais j'avoue, c'est pas terrible. Attends. La qualité, c'est abusé. Hein. C'est abusé quoi. Bah, on avait commandé. Parce que là, le grain, est-ce que vous allez voir le grain du truc ? En fait, l'affiche, la qualité de merde, hein, on va le dire, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que sur le site, tu penses bien qu'ils te disent pas. Regardez la différence avec cette photo. Là, on est sur une vraie photo. La qualité quoi. Rien à voir. Bah du coup tu vas pas les... De toute façon on peut pas les renvoyer, hein, c'est mort. Oui oui, je garde non, mais Bobby, ça, c'est tout. Mais ça j'ai un doute. Hein, non mais j'avoue c'est pas... J'ai un doute, c'est pas du net. Hein. Non. Pas non. Du tout, pas du tout. Hein. Bon bah écoute, on verra déjà, on prend un 4%. Voilà, okay. Voilà. Oui alors, il y avait de la musique, c'est pour ça que j'ai pas filmé très peu. Rien, c'était moche, il n'y avait pas du tout de cadre. J'étais déçue par déjà les visuels, on est d'accord, ça rend pas terrible. Je sais plus que. Bah du coup tu veux qu'on aille où ? T'es en galère ? Oui, je suis en galère. Qu'est-ce qui se passe ? Tes clés de bagnole ? Bah, c'est dans l'autre poche, puis voilà quoi, c'est bon. Oui, donc je disais qu'on va où chez Action à côté, ça aussi ça fait sa date. Mais chez que. Souvent, chez Action, il y a des modèles. Et au fait, maman, regarde, j'ai ressorti mon trench, là. Tu sais que j'avais eu chez... Et j'ai coupé. Je l'ai coupé. Il est bien. Bah ouais, mais parce que le truc qui pendouillait, c'était pas terrible. Bon, on va où ? Ah oui, Brico. C'est vrai que Brico Marché, des fois, il y a de la déco. Il y a des trucs sympathiques. Bonsoir tout le monde. Tu es où, Nicole ? Ah, tu es là. C'est bien, il n'y a pas de musique chez Brico. Je vais aller voir pour des nappes. Mais les nappes, vous savez, dans mon salon, elle est pas belle. Mais une nappe qui passe pas au lavage, en fait, avec un coup d'éponge et c'est bon. Et tu n'en trouves pas partout. Parce que, ou alors tu en trouves, mais elles sont moches. Ici, j'avais acheté les rideaux. Ouais, j'avais acheté les rideaux, nos beaux rideaux du salon. Oh là, maman a repéré un truc. Tu le mettrais où, celui-là ? À la place de mon juponnet. Ah. Mais sachant que le pied est orange. Ah, ça n'ira pas. Mais ton pied, t'es obligé de le garder. Il est vraiment bof, ton pied, je trouve, moi. Enfin, pas tes pieds, mais... Et je l'aime bien. En plus, il fait clair. Mais pourquoi tu prends pas un autre pied, maman ? Ou à la base, c'était ses toilettes qu'elle voulait. Mais bon, je crois que ça va tomber à l'eau. Hein. Vu la qualité des photos et puis les cadres, c'est très dur de trouver. Mais je pense que ce qu'il faudrait, à la limite, c'est pas d'encadrement, c'est juste le verre, point, sur mesure. Ah, j'ai trouvé des petites choses, vous allez voir chez Jiffy en petite vaisselle. Hein. Pas grand chose, mais ça va m'être utile. Bah, si tu veux, moi je le trouvais très beau. Hein. Il est beau, hein. Bah oui, bah prends-le. Et je vais le mettre où ? T'as pas un autre pied ? Non, il est bleu. Mmh. Nous qui pourrait le faire, il est bleu. Bon, bah laisse-le là, de toute façon, au pire, tu sais qu'il y en a. J'ai trouvé aussi un truc pour la jaquette. Il va être content, mon Jackie, vous allez voir. Et on s'en fout. Ah, j'aime bien ça. Ah, vous allez pas voir. Bon, c'est plutôt dans un bar, ça fait un peu lunch. J'aime bien, ça fait vacances. J'adore. Oui, bah tu mets ta petite pile et ça te fait un petit... Ouais, mignon. Enfin, pas pour moi, parce que moi, il faut que je dorme dans le noir complet. Ça me donne envie d'avoir un autre enfant. Pardon ? Mais c'est ton problème, hein. Putain, je rigole. De plus en plus, les femmes, Eva Longoria, tout ça, elles ont des enfants sur le tard, à 45 ans quand même. Hein. Pour la grande table du salon, c'est toujours mieux que celle qu'on a à poids, hein. C'est neutre. Par contre, dimension... Ah, merde, je sais pas. Bon, après, je peux appeler Eric. Hein. Oui, mais tu prends pas ça maintenant. Ah oui ? Et ça, c'est très beau. Oh, je le trouve très... Ah oui. Mais ça se lave avec une éponge, on est d'accord ? Ah oui, oui. Je fais une photo quand même, mais... Je pense que ça peut être sympa, hein, comme ça. Hein. Il y en a d'autres ? Bah, il me semble, mais... Oui, mais après, c'est motif. Ah, si, si, t'as pas mal de cadres. Mais... Ah, bah voilà. Sors là. Tu l'as ? Oui. Parce que tu sais, maman, vu que ton papier peint est déjà très coloré. Ah, c'est pas vraiment la même dimension. Hein. 24-30. Et t'as pas un modèle plus petit ? Comment ça fait, celui-là ? Mais non. Ah, mais si !
andouille que je suis. Là, mais carrément, tu vas voir. Voilà, c'est bon. De retour à la maison, ben, finalement, elle avait pas envie d'aller boire un truc. Je vais vous montrer mes trouvailles. Et puis, bah, on fera la déco chez elle quand elle aura les affiches. Et vous avez acheté un goûter? Bah non, on n'a pas, on n'a pas acheté de goûter. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je regarde ce que vous avez acheté. Regarde, j'ai acheté ça pour la jaquette. Pour Jackie, une gamelle. Non, mais c'est vrai, il faut changer régulièrement. Tu l'aimes bien? Oui. Tu fais la tête parce que j'ai pas pris de goûter. Bah, tu mets tes chaussures et on va chercher un goûter. On s'en fout qu'il soit rose, hein. J'ai pris ça pour mon riz. Il est beau, hein. Pour la salle de bain, alors là, c'est pas chez Jiffy, là, on est chez Monsieur Bricolage pour le savon. Il est magnifique. Oh, on dirait de la petite dentelle, je l'adore. Avec, et bah, pour mettre le savon de la même collection. Ça, c'est retour, c'était chez Jiffy. Et voilà, c'est pratique. Mes petites salades, les sachets. Un deuxième. Et on retourne chez Monsieur Bricolage. Regardez le flacon. C'est très Chanel. On dirait les flacons de... Du coup, maman, j'ai pris ça, m'a dit, ah ouais, non, c'est trop joli. Il faut que je le nettoie, par contre. Donc, ça rend trop bien. Il faut que je mette mon savon liquide. Tu veux qu'on aille chercher un goûter? Non, je pensais, on va pas pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à 17h30, on a été... Il dit qu'on a invité un anniversaire. Il est 16h et c'est à 17h. Pourquoi on est prévenu que maintenant? Bol ramen force. Bol ramen force. Ah non, 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 je dis des conneries, on reprend. Le bol à ramen, c'est ça, 7€. Et les petits bols comme ça, 3€. Donc j'en ai pris 2. La coupelle pour baby. Ah non, gamelle de chat, 6. Et chez Bricot, je sais plus. J'avoue, j'ai pas les prix. C'était pas excessif, hein. T'es tout énervé, toi, depuis que t'as vu ta nouvelle gamelle, c'est ça? T'es content? Les comptes jaquets. Donc pareil, là je me retrouve, il faut qu'on aille acheter un cadeau pour un anniversaire. Mais je sais pas du tout, c'est dans une heure quand même. Il n'y a personne. Mais c'est chelou en fait. Attends, j'entends du bruit là-haut. Hé bébé. Diane ! Elle est sous sa douche, je crois. Mais pourquoi elle a dit 17h30, il n'y a personne? C'est une blague que tu... Mais il y a quelqu'un là-haut, je te dis. Non. Tu vois, voleur. Elle est dans la douche. Mais non, il y aurait sa voiture. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un? Donc Eric est allé... Ben oui, il y a quelqu'un là-haut. Eric est allé acheter une petite maison et comment? Ambiance et style. Une grande... Ah ben si, il est là-haut. C'est... Une tirelire en forme de... Très bien. Mais on nous a dit à 17h30 ici. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non mais ils sont là, oui, ils prennent la douche. Bah oui, j'entends. Il était sous sa douche? Bah je sais. J'ai vu tout. Putain, bête, non mais c'est sacré. Bon, non, parce que je suis pas, je suis discret. Fais voir là, fais voir, tiens. Il est joli, hein? Bah je vois pas. Mais j'entends une voiture qui arrive. Un petit singe. Je vous retrouve le lendemain. J'ai pas vlogué hier, hein. On est rentré patard, franchement on est resté une heure et demie, c'était histoire d'eux. Et là il est midi, je me suis rendu compte que je n'avais plus de dosette pour le café du midi et ça risque d'être embêtant. Donc je vais y aller, super de faire ma midi et demi. Eric va pas tarder en plus ce midi, comme le mardi, le jeudi, il a genre 3/4 d'heure pour manger, donc ça, je vais prendre, je pense, un truc en ville en plus. Un truc rapide, ce matin j'ai fait une petite séance photo avec ce petit haut notamment. Si vous allez sur mon Insta, vous la verrez peut-être. Et je vais arrêter maintenant ce vlog. Je vais reprendre un nouveau vlog demain, puisque demain c'est coiffeur. Ça va faire vraiment du bien. Donc voilà, je vais vlogger. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à très vite. Bisous. Ciao.